Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul Shein, un énorme haul Shein spécial pour la maison. Donc j'ai trouvé vraiment des pépites, mais vraiment, clairement des choses que je ne pensais même pas trouver sur le site. Donc je vais commencer par The Bon Plan, vraiment, si vous cherchez ce type de vase, bah, vous allez être ravis. Alors je vais essayer de ne pas le casser surtout parce que vraiment je le trouve magnifique. Voilà, j'ai trouvé ce vase-là, vous savez, les fameux vases chinois, en fait, on les trouve sous le nom de ginger jar. Donc, j'en ai trouvé plein hein, sur Internet, à des prix toujours, mais hors budget. C'était toujours dans les 100, ou alors dans les 50 euros, mais des minuscules. Là, il est vraiment super grand, vous voyez, par rapport à ma tête. Ça fait quand même quelque chose de très grand. Ce qu'on entend à côté, c'est Inès, voilà, qui est sur son tapis d'éveil. Il est vraiment très très grand, donc je vais aller le mettre tout de suite sur le buffet juste derrière. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu dans ma vidéo de ménage. Voilà, enfin voilà, je l'ai posé là et je trouve que ça va super bien. Il est vraiment très grand, donc c'est hyper fragile, donc faut faire attention. Vous avez le petit par-dessus comme ça, donc vous pouvez vous en servir comme vase en fait tout simplement, ou bien comme ça, comme pot décoratif. Donc voilà. Je vous mettrai tous les liens du site dans la barre d'infos et je vous mettrai un code de recherche en fait qu'il faudra rentrer dans la barre de recherche. Vous avez enfin, c'est hyper simple, mais du coup je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible. Voilà, je vais vous mettre un code dans ma barre d'infos et ce code-là, vous le rentrez dans la partie recherche. Vous voyez quand vous avez la petite loupe, vous mettez le code et vous allez arriver directement sur une sélection, donc notamment avec les produits que je vous présente là, avec des une réduction vraiment très très importante sur ces produits-là. Donc voilà, n'oubliez pas de faire ça. C'est pas un code promo classique, là c'est vraiment un code que vous rentrez dans la section recherche et ça vous mènera vers ma sélection entre autres et aussi une autre sélection de produits à petit prix. Alors ensuite j'ai trouvé cette petite pomme. Alors du coup, vous le savez, moi tout ce qui est déco d'automne, j'adore, déco de Noël encore plus. J'aime bien prendre des décos aussi qui vont, si vous voulez, s'insérer facilement dans ma déco là. Donc je prends souvent des décos, que ce soit pour l'automne ou pour Noël, blanches, grises. Parfois je prends du rouge, c'est rare, mais le plus souvent c'est blanc et gris parce que j'adore ces deux couleurs. Donc du coup, ma déco d'automne, elle va être principalement blanche et grise. Bon, il y aura des petites touches aussi d'autres choses, mais ça va être principalement ces deux couleurs là. Donc c'est pour ça que j'ai craqué sur cette petite pomme que je vais mettre également sur le buffet là-bas juste à côté et qui va, ou là sur la table basse, franchement je sais pas trop, et qui va donner un petit côté automne avec les pommes, mais en même temps ça reste dans la déco, vous voyez. Ensuite, là par contre ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, je vous dis ça et juste après je vous montre autre chose. J'ai pris un petit présentoir pour Halloween, mais là c'est vraiment pour la soirée d'Halloween, voilà. Comme ceci, donc c'est trop mignon. C'est un balai en fait, enfin une reproduction de balai avec des petits, comment dire, des petites soucoupes comme ça. Donc soit vous vous en servez pour mettre des petits, comment dire, des petits fruits secs, des petites pistaches ou ce genre de choses, ou bien vous mettez des petites bougies dedans. Moi c'est ce que je vais faire. Je vais mettre des petits chauffe-plats partout, en plein milieu de la table, enfin ou sur le côté, je sais pas trop encore, mais ça va être vraiment sympa pour les enfants, pour leur petite soirée. Ils vont être ravis, ils ont pas encore vu, donc je vais essayer de cacher tout ça. Mais vraiment c'est excellent, ils ont beaucoup de déco sur Shein pour Halloween, l'automne, Noël, enfin bref. Ah, et en plus à des prix vraiment très bas. Ensuite j'ai trouvé pour Victor, parce que là on est en train de refaire sa déco, mais léger, quand je dis refaire sa déco c'est juste mettre des petites touches en plus, parce que bah, avec le temps on se rend compte bah, qu'il manque ceci ou cela. Et là je vais trouver un poster comme ça Marvel, parce qu'il adore Marvel Victor, Spider-Man, comme ça. Donc je vais le mettre dans un cadre, là je sais pas trop au niveau de la dimension, je crois que j'ai encore des cadres blancs, donc je vais essayer de lui mettre ça, il va être ravi. Donc ça coûtait rien du tout, c'était dans les 1 euro, je crois 1 euro et quelques. Donc voilà, pour refaire votre déco quand vous avez un budget serré, bah sur Shein vous avez de quoi faire, vraiment. Vous voyez même là le gros vase, il fait très chic et tout, mais il était pas cher, donc ça sert à rien de se ruiner quoi, vraiment, clairement. Surtout que la déco c'est, bah voilà, ça nous passe au bout d'un moment, on veut changer, et quand on met trop cher, bah du coup c'est compliqué quoi, c'est difficile de tourner quoi. Ensuite j'ai pris un plaid, ça m'embête de l'enlever, mais si je l'enlève pour vous montrer, ce plaid là blanc, il est exceptionnel, il est vraiment
Magnifique! J'aime trop. Il est en grosse maille comme ça. Les enfants ne font que de me le piquer. Ça, dès qu'ils l'ont vu, mais vraiment, il est tellement doux, il est tellement confort que je comprends pourquoi il me le pique. Donc là, je le mets sur le canapé. Voilà, il est prêt là. Il est juste là. Quand j'ai envie de me faire une petite pause détente, et ben c'est parfait. Je vous mettrai encore une fois le lien de tous les produits. Ensuite, je suis pas maline hein, parce que j'ai mis tous les produits juste derrière moi. Alors du coup, c'est pour organiser le frigo. Frigo qu'on n'a pas encore, cuisine que nous n'avons pas non plus. Donc forcément, bah ça m'embête d'ouvrir tout maintenant, mais en même temps je me dis voilà, faut que je regarde, il faut que je vous montre. Donc c'était un lot énorme. Ce que j'adore aussi sur Shein, c'est que vous avez des lots ultra complets qui vont vous permettre de tout faire en une fois, de ne pas acheter 50 000 choses. Là vous avez tout dedans. C'est hyper lourd. C'est hyper lourd. Vous avez de quoi tout ranger dans votre frigo. Alors je vais essayer de tout sortir. Et c'est exactement ce que je cherchais en fait pour mettre les fruits, les légumes, enfin tout ça. Ouais, c'est vraiment ultra ultra complet. Si vous recherchez à organiser votre frigo là, avec la rentrée, je vous dis, on a envie de tout organiser. Et bah vous allez pouvoir craquer parce que c'est vraiment hyper intéressant en ce moment. Donc là, vous avez une grosse boîte et dedans ils ont mis plein d'autres boîtes. Voilà, vous en avez plein 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 pour mettre vos fraises, vos myrtilles, vos framboises. Enfin, vraiment, la taille des boîtes fait que bah, vous pouvez tout organiser en fait. Donc, je vous montre. Ah ouais, c'est top parce qu'il y a des couvercles. C'est ça que je recherchais parce que vous en trouvez des boîtes comme ça, mais souvent il n'y a que la boîte et vous n'avez pas de couvercle. Donc, c'est moyen quand vous voulez mettre des choses dans le frigo, c'est bien d'avoir un couvercle. Donc, là, vous avez ces petites boîtes-là. Oh là là, elles sont excellentes. Elles sont géniales. Donc, là, pour mettre les myrtilles par exemple, moi qui suis une grande dingue de myrtilles. Là, vous avez une plus grande comme ça pour mettre par exemple les tomates ou je sais pas moi, votre concombre, ce que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez la refermer la boîte. Vous voyez? Vous pouvez la refermer. Et dans le frigo, ça fait hyper bien quoi. Ça fait nickel. Donc là, vous pouvez rajouter une petite étiquette. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Et ça vous fait vraiment un frigo hyper, hyper organisé. Et vous avez même une grande boîte comme ceci pour mettre vos yaourts par exemple, et vous avez aussi encore un couvercle. Donc ça je valide, franchement c'est juste parfait. Maintenant je suis juste pressée d'avoir le frigo, d'avoir la cuisine, mais bon, ça malheureusement vous le savez, c'est les travaux, c'est comme ça, c'est compliqué. Mais bon voilà, je sais que mes boîtes sont là, et quand sera venu le moment de ranger, d'organiser, ben, j'aurai tout. Ensuite j'ai trouvé ceci, c'est pour faire des steaks. Vous savez, c'est une presse. Donc vous mettez votre viande hachée juste là à l'intérieur. En plus c'est quadrillé, donc ça va vous faire le petit quadrillage sur votre steak. Donc vous mettez la viande hachée et vous appuyez avec ceci, vous pressez et ça va vous faire un steak. Donc pour les soirées burgers par exemple, c'est juste parfait. Ou pour faire des petites galettes de viande hachée ou même pour n'importe quelle autre chose, hein, même pour faire des galettes de pommes de terre, des galettes de patates douces. Enfin voilà, ça c'est vraiment un gadget, mais ça sert vraiment très souvent. J'ai trouvé enfin une nappe transparente pour mettre sur la table de la salle à manger, parce que là on a la nappe qui est 10 fois trop courte, qu'on avait taillée aux mesures de quand elle est avec aucune rallonge, mais là c'est plus possible. Voilà, c'est plus possible. Donc au niveau de la dimension, j'ai pris une très grande pour pouvoir justement la recouper. Donc c'est une rectangulaire, mais c'est pas grave puisque bah, ça se découpe hein, voilà, clairement. Donc j'ai trouvé enfin, et je suis trop contente, des petites étiquettes bon, pour mettre sur mes pots à épices. Alors j'avais commandé aussi des pots, des petits pots à épices, mais je les ai pas trouvés. Donc je sais pas, peut-être que ça va arriver dans une autre commande. Je vais pouvoir enfin tout organiser. Donc je vous montre. Ah, elles sont super belles. Oh bon, c'est écrit en anglais par contre. Moi ça me dérange pas spécialement, mais bon voilà, je préfère que vous le sachiez quand même. Vous voyez, c'est des belles étiquettes comme ça. Elles sont magnifiques. Vraiment super belle. Donc vous avez tout, vous avez même le sucre de canne, vous avez coriandre, cinnamon, vous avez tout, chili powder, vous avez vraiment vraiment tout. Vraiment, je suis ravie, ravie. Ça c'est parfait. Pareil, j'attends d'avoir mes petits pots à épices et je vais faire ça très prochainement dans une vidéo d'organisation. Toujours pour l'organisation, j'ai trouvé ceci. Alors ça c'est un petit présentoir. Je sais pas si vous allez voir. Je vais le monter et je vais vous montrer. Moi, c'est pour mettre dans ma coiffeuse tout ce qui va être les parfums.
En même temps que je parle, je vous montre les articles en action, on va dire, voilà, je vous montre ce que ça donne. Pareil, j'ai trouvé ceci. Ça, c'est pour le tiroir à épices. Vous pouvez vous en servir pour une multitude de choses. Ouais, vraiment, vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Donc ça se présente comme ça. Et après, vous les mettez dans votre tiroir semi-allongé, comme ça. Et vous mettez toutes vos épices dessus. Donc vraiment, ça, j'adore. Vous en avez plein. Moi, j'en ai pris 4 comme ça. Mais il y en a plein sur le site. Hein. Vous pouvez en prendre plein. Il y a toutes les tailles. Enfin, vraiment, c'est nickel. J'ai trouvé... Vous savez, je suis accro à Hello Kitty. Sur Shein, vous trouvez plein de choses. D'ailleurs, j'ai passé une autre commande, là, faut que je vous montre. Non, faut pas que je vous dise. Vous allez me prendre pour une barge. Ouais, vraiment. Donc là, c'est des emporte-pièces Hello Kitty. Ah là là, je vais faire plein de gâteaux. Là, ça va être la saison où je vais être en mode gâteau. Et regardez, les petits emporte-pièces Hello Kitty. Ah, c'est trop mignon. Ah, attendez, juste, faut que je les mette dans le bon sens, par contre. Ouais, ah là 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 là. Je vais pouvoir faire plein de petits gâteaux Hello Kitty. Il y a celui-ci aussi avec. Voilà. Enfin bref, plein de petites décos Hello Kitty comme ça. Ça va être juste parfait. Donc ça, c'était pour ça. Ensuite, j'ai trouvé pour la chambre d'Inès ceci. Une grande tresse comme ça pour faire le tour de son lit. Donc ça, c'est décoratif, clairement. Mais ça, ça lui faut aussi un petit renfort au niveau de ses barreaux. Parce que des fois, elle... pas des fois, même tout le temps, elle se tourne et elle atterrit dans le bout du lit. Donc là, au moins, ça lui fera un petit renfort pour la tête pour éviter qu'elle se cogne, en fait, tout simplement. Donc c'est hyper grand. Je vais pas pouvoir vous le montrer entier comme ça. Je vais le mettre dans le lit d'Inès, là, et je vais vous montrer ce que ça donne. Pareil, vaut mieux... Certains produits, vaut mieux vous les montrer directement plutôt que comme ça. Un plaid, ce plaid là, il est d'une douceur incroyable, il est immense. Celui-ci, il est immense, vraiment, immense, immense. Donc là, pour les journées un peu fraîches, ça va être parfait, vraiment magnifique. Il est très très grand, très très grand. Ça, je pense que je vais le mettre sur le lit en couvre-lit. Je vais pas l'utiliser comme plaid peut-être. Je pense que je vais le mettre plutôt en couvre-lit vu qu'il est très très grand. Ça va être parfait. Je vais essayer de mettre ça là et de vous montrer aussi. Voilà. Et si je vous montre pas, c'est parce que j'ai essayé de le mettre et qu'au final, il n'est pas assez grand. Parce que j'adore ces branches-là. On en a plein dans le jardin, dans l'autre maison. Et j'en prends, ça m'arrive d'en prendre quand même souvent, mais pas tout le temps. Donc du coup, j'aime bien aussi en avoir des fausses pour pouvoir faire des compositions, que ce soit pour Noël, je les bombe avec de la neige, ou bien même pour l'automne, enfin vraiment. Et là, ça coûtait rien du tout, vous en avez beaucoup dedans. Donc ça vous permet de faire plein de petits bouquets partout dans votre maison, c'est extra. Gros coup de cœur, cette petite tasse comme ça avec un nœud dessus, c'est en verre, la paille est en verre, et vous avez même un petit bouchon juste là, pour refermer, comme ça si vous le transportez dehors, pour éviter d'en faire couler partout, c'est parfait, voilà, je l'aime trop, oh, magnifique, franchement, pour mettre sur mon petit bureau, comme ça, c'est nickel, j'adore tout ce qui est rose, vous le savez, avec le petit nœud en plus, ça fait vraiment très très girly. J'ai aussi craqué sur un luminaire, enfin sur un lustre pour l'entrée, parce que l'entrée, on ne savait pas quoi mettre avec Anthony, il nous fallait quelque chose qui soit au plafond, mais qui ne nous dépasse pas du tout, parce qu'il y a la porte, et on avait mis un autre luminaire avant, on vous avait montré un autre lustre, et à chaque fois qu'on rentrait dedans, on tapait, enfin Anthony surtout tapait dedans avec sa tête, là au moins il n'y a plus de problème, il est sublime, il fait deux couleurs, enfin il fait blanc chaud et blanc froid. Il suffit d'appuyer sur le bouton, un coup ça fait blanc froid, un coup ça fait blanc chaud. Donc là je vous le montre parce qu'il est déjà installé. Dès qu'il est arrivé, je me suis dit c'est pas possible, il faut vraiment que je le mette. D'ailleurs, sur leur site, vous avez énormément de lustres, des lustres de dingue que j'ai vu sur d'autres sites hyper chers. Notamment les lustres avec des grands ronds comme ça dedans. Donc ça, je pense que ça va être mon prochain craquage. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur leur site parce qu'ils ont vraiment de tout. Je vous mets le code de recherche juste là. Je vous le renote dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dessus. Je vous mets le lien de tous ces articles également dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.